Whiteness DJ. Man, Ninja Boo. So malage. Lege momototo, kormototo pondena. Man. Rumla de keno doble, sone gafara. Isimundo to condena. Man, lege. Oniva. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Asson Africa TV Show. Je suis Aboudoubaki Boukari et je suis le présentateur de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Monsieur Kondi Nikabou dans le studio virtuel de BronzeNet. Monsieur Nikabou est un jeune artiste peintre qui vit dans le Bronx à New York depuis quelques années. Monsieur Nikabou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Aboudoubaki. Comment ça va? Ça va très bien. J'aime bien votre uniforme traditionnel. Donc, c'est très joli. Ça pour bien. Voir mais la culture africaine. J'espère me l'acheter. De temps en temps, je fais un clin d'œil à mes parents tisserands de Bafilo, quoi. Donc, si tu as besoin de ça, je peux... te mettre en contact avec toi. C'est très joli. Très joli. D'accord. Ah, là, c'est bien. Bon, ça fait un bout de temps, on ne s'est pas parlé. Aujourd'hui, bon Dieu, merci. Est-ce que depuis le début de l'année, on s'est vu, on a parlé, on a fait une émission? Je ne crois pas. On n'a pas fait une émission. Voilà, monsieur, bon, j'étais parti en janvier dernier au pays. Donc, je vais te laisser te présenter à nos téléspectateurs. D'accord. Oui, je me nomme Monsieur Kondi Sabine Kabou. Je suis originaire du Togo. Je vis ici à New York depuis 2010. Et je suis artiste peintre dessinateur. J'ai commencé à dessiner, à faire les bandes dessinées depuis le Togo. Et ici à New York, j'ai commencé à faire les peintures en me concentrant sur les portraits. Ok. Ah là, c'est bien. C'est très bien. Bon, lors de notre entretien l'année passée, tu m'avais parlé d'une exposition que tu devrais faire cette année. Est-ce que tu as pu le faire? L'exposition, malheureusement, on n'a pas pu le faire avec la pandémie qui est venue freiner un peu les activités. Donc, on est toujours en train de travailler sur ça. Et c'est ça. Avec la grâce de Dieu, un jour ça va. D'accord. Alors là, c'est bien. Bon, qu'est-ce que tu fais actuellement à cause de la pandémie? Bon, comme tu n'as pas pu faire l'exposition, est-ce que tu as un canot par lequel tu essaies de te faire voir? Oui. Par exemple, tu sors en ville ou bien bon, quelque chose comme ça, quoi. Oui, je vois. Donc, c'est avec la pandémie, donc je me suis dit, il faut essayer aussi dans la rue pour voir comment est-ce que ça marche. Donc, c'est j'ai ça. Commencé à aller à Yankee Stadium où je fais une exposition vente. Donc, le même jour où les gens viennent et puis ils peuvent payer. Et donc, c'était un test. C'est et ça. Bon, heureusement, j'ai appris quelque chose. Okay. Non, bon, ici, ce n'est pas une question d'apprendre quelque chose. Est-ce que tu arrives à vendre puisque l'argent rentre? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui c'est les deux mélangés. Oui, il y a des ventes, mais au même moment, tu as une vision un peu plus grande de la c'est chose. Ça. Donc, futuristique. Ouais. OK. Bon, comme tu essaies de faire des expositions au niveau de Yankee Stadium, bon, est-ce que la mairie ne te fait pas de problèmes? Je me rappelle, j'ai commencé à sortir, je sortais chaque dimanche. Donc, je suis sorti comme deux fois. Il n'y a pas eu d'incident. Donc, c'est la troisième fois. Donc, j'ai exposé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai accrocher les peintures sur le mur du parc. Donc, la police forestière est venue me demander respectueusement de quitter. Donc, j'ai appris qu'il fallait avoir un numéro d'immatriculation de l'impôt. C'est seulement c'est ça que tu as besoin. Mais tu n'as pas besoin d'une formation ou bien d'une autorisation. Ah, okay. Juste pour prouver que tu fais l'État. Donc, c'est ça. Est-ce que tu l'as fait?
Donc, bon, c'est maintenant, bon, je suis en train de mesurer C'est où est-ce que ça peut m'avantager avant de me lancer dans quelque chose. Donc, j'ai testé. C'est une expérience. Ah, ok, alors c'est bien. Bon, de toutes les façons, moi j'étais connu en tant qu'artiste peintre, mais depuis un moment, j'ai remarqué que tu essaies de publier les vidéos et puis, bon, quelques vidéos sur Facebook et puis sur Instagram. Bon, Ouais. pourquoi ce changement brutal? Et puis, bon, tu essaies de montrer aux gens comment tu dessines. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Les gens ne vont pas te copier. Oui, c'est une belle question. C'est le truc, c'est que quand j'ai commencé à faire les dessins, les gens et j'ai publié sur Facebook et Instagram, les gens ont commencé à me demander que ce soit ils me rencontrent dans la rue ou bien n'importe où, ils me demandent comment est-ce que je fais. Donc moi aussi j'avais l'envie de montrer, mais en utilisant les quelques secondes de ces vidéos-là pour montrer le processus et C'est puis ça. les étapes. Pour dire qu'il n'y a pas de secret, non. Quand tu as le cœur dans quelque chose, tu peux y arriver. C'est L'essentiel est ça. de mettre. Hein. Oui, donc. Ah, là, c'est bien. Sinon, ma crainte, c'est que faudrait pas que les gens te copient et ils vont faire la même chose que toi, quoi. Oui, C'est c'est justement ça. Quand il copie, il devient une copie. C'est Donc, ça. il doit passer forcément Ouais, toi, à c'est travers l'original. une photocopieuse. C'est ça. Avant de se faire voir. Donc, tu t'écartes un peu de ton originalité. C'est ça. Donc, il faut voir, s'inspirer de l'autre pour adapter ça à ta nature et exprimer ça au monde entier. Mais, Ah, et c'est pas c'est de bien. copier. Là, les gens vont voir cette copie-là et ils ne ressentent plus d'énergie. C'est ce D'accord. qu'il faut. Ok, j'ai quelques vidéos. Si la régie est prête, ils vont passer ça. D'accord? D'accord. Oui, Ils c'est vont bon. passer ça. Ok, bon, est-ce que tu as un commentaire à cette vidéo-là? Ouais, c'est déjà quelqu'un de qui vit à New Jersey, que j'avais déjà fait le travail. C'est Je ça. l'avais dessiné déjà son chien qui était mort. Donc, il a éprouvé un sentiment de comment on peut, ça le dépassait. Donc, entre-temps, un de ses amis, le chien de l'un de ses amis était mort. Donc, c'est Ouais. ce chien-là. Il m'a demandé de faire la peinture de ça. Donc, Donc, j'ai fait le ça. chien est mort. Donc, pour garder, Ouais, c'est. il a Oui, pour demandé garder pour que. les souvenirs. Puisque c'est comme un Waouh! membre de famille chez eux. Donc, c'est comme un membre de famille. Donc, Ouais, il faut ouais. le Et garder. ils considèrent leur chien ici, hein. Oui, Parfois, c'est ils ça. considèrent leur C'est chien la plus culture. C'est que normal. C'est normal. Donc, nous. C'est c'était le ici. concept. Et j'ai fait cette vidéo-là juste pour encore montrer Ah, les là, c'est étapes. bien. Ah, c'est bien. Donc, Il n'y on a va rien de passer. sorcier dedans. D'accord. On va passer à cette vidéo. On va voir. Wow. Lui, c'est qui? Ouais, c'est une dame là qui, oh, je la connais bien, donc c'est elle qui a voulu faire un cadeau à son mari. Donc le mari, c'est quelqu'un qui travaille pour l'armée américaine. C'est ça. Donc c'était pour moi un plaisir aussi de dessiner Ah, aux hommes habillés qui là, risquent c'est leur bien. vie. Et merci
pour leur service C'est ça. pour la nation. Ah là, c'est c'est ça. bien. Donc, c'est une Ah, ouais. dédicace. Ah là, c'est bien. Donc, on va passer la troisième vidéo et on va voir. Ok. Ok, alors c'est Okay. bien. Je vois Oui, une donc maman, un enfant et c'est. puis un Oui, chien. le chien, oui. Donc, c'est emporté. Donc, disons qu'on va rester dans cette atmosphère de Noël, de Christmas. Donc, si tu as. Bon, mais moi, j'ai envoyé ça à la dernière minute. C'était juste pour avoir l'esprit là de Christmas. Ok, Donc, c'est d'accord. la dame là, elle aussi, elle m'a demandé de faire ça. C'est juste. Ce sera un C'est ça. cadeau de Noël qu'ils vont donner le 24 décembre. D'accord. Ok, bon, monsieur Nikabo, pour les obligations publicitaires, on va prendre une pause, on revient et puis nous allons continuer l'autre partie. Ok. Donc, c'est l'heure de la Bon. pub. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Abdoubaki Boukari. Je suis le coordinateur des installations de la télévision de Brancenet à New York. Je suis aussi le producteur et le présentateur de l'émission Asson Africa TV Show à New York. Je vous souhaite joyeux Noël et une bonne heureuse année 2022. Je vous invite à regarder mes émissions sur la chaîne de Brancenet, la chaîne 69 Optimum et la chaîne 21 35 Fios. Je vous remercie. Hello everyone, my name is Abdoubaki Boukari. I'm Brancenet Facility Coordinator. I'm also Asson Africa TV show host and producer. I wish you Merry Christmas and Happy New Year 2022. I also invite you to watch my show at Channel 69 Optimum and Channel 2135 Fios. Thank you.